pays de manière générale de injustice grave, flagrante qui a fait à Mikatin Movan, à sa famille et à tout le monde qui est proche. J'ai dit hier, dans le point de presse là, c'est avec un pile douleur que m'obligeait le dossier qui pendant devant la justice m'obligeait à intervenir dans les médias à chaque fois pour lui. Parce que moi, rendre compte je dis, c'est pas question de la justice qu'a fait, c'est un cours des autres qu'a fait. Faut que moi préciser pour la vérité et pour la décence et que juge qui sous dossier ça m'a parlé des juges Morin, pas aucun monde qui ca mettait intégrité en question. Faut nous clair sur ça. Mais c'est un théâtre qui a joué et je dis encore nous rendons compte que nous ne pas arriver là alors que le juge Morin est déjà là et que nous tendons pas qu'il y a en grève. C'est vrai, la loi sur l'organisation judiciaire est claire dans la question, l'article 28, je crois, qui est clair lorsque il y a un cas et que le juge en siège là capable de désigner n'importe l'autre juge ou doyen qui a désigné n'importe l'autre juge qui tient lieu de ministère public. Mais malheureusement, au-delà de tout ça, et c'est là que la parole est un suspect, et que depuis matin, et que il est tiré autour du pénitencier national, qui fait que le pénitencier national n'est pas capable de venir avec Morvan. Donc, je comprends que lorsque c'est pour faire injustice en Haïti, bras sont très longs, très grands. Et nous-mêmes, qui c'est yeux et oreilles, population, moi interpellé nous, je dis, pour nous garder qui ça y a bail comme justice dans le pays. Il y a un directeur d'une grande institution que le pays a gagné. Je parle de Gohan. Je parle de directeur PDG Mikatin Movan. Par le simple fait que le signe un acte d'engagement pour le payer un l'argent pour un secrétaire, pour le monde qui travaille avec elle, qui vient naturellement une question privée, une question purement au regard du droit d'obligation, une question hautement privée, qui vient une dette. Et nous connaissons en matière de dette la convention dite Convention de San José de Costa Rica. En son article 7.7, il est dit que dette n'est pas constituée un délit ni contravention, voire un crime. Donc, il n'y a pas qu'à arrêter les gens pour dette. Donc, ce qu'a fait Jodia là, son mascarade que Paquet a essayé bafouer. Donc, droit, Movan. Mais une seule bagaille que moi connais, et ma petite pays, et nous tous captons des mains. La défaite de la justice est toujours provisoire. Donc, nous avons là, nous allons jouer avec la famille et nous allons connaître qui ça nous faire. Et nous mettons le paquet devant responsabilité. Et nous connaissons moi-même mes vieux enfants. Nous ne pouvons pas tolérer et que le paquet a fait cette injustice grave à mon client, Mikatin Movan. Nous avons fait tout ça, la loi bam doit pour nous faire. Pour nous mettre paquet devant responsabilité. C'est indécent, c'est immoral, c'est injuste pour nous regarder, pour nous voir qu'il y a traité Movan, nos directeurs, on est qui fait toute salle qui est bon dans le pays et que c'est comme ça qu'il a traité, parce que seulement, le seul crime qu'il fait, parce que seulement, ici un acte d'engagement, voilà, ici un acte d'engagement, Nani, ici un acte d'engagement pour lui prendre responsabilité, pour lui bailler. Yon l'argent pour yon moun kap travaille avec que yon arrivé arrêté, yon tap arrêté et li dit pas de problème, m ka tire l'argent sous chèque li et que m'a baye li. Donc je dis c'est vraiment injuste et pour vous qui êtes journaliste, vous avez une très grande responsabilité dans des autres arts que paquet de Port-au-Prince a fait aujourd'hui. Vous avez une très grande responsabilité en tant que partie de du quatrième pouvoir. Nous avons très grande responsabilité, demandez-nous pour responsabilité. Et puisque Movan va venir jeudi,
qui est-ce qui a responsabilité pour fixer et audience qui va venir? En effet, c'est le président du tribunal correctionnel, donc le juge Morin, qui a responsabilité ça, mais à la diligence de ses avocats, et c'est ça que nous allons faire. Mais ça me dit qu'on grève tout là, et c'est pas à bloquer. Oui, mais est-ce que ouais? Alors pour moi, grève ça qu'il a son grève qu'il a longtemps. Il me dit qu'il a longtemps. Donc, à cause de ces morts, il y a réactualisé à cause de ces morts. Mais le tribunal ferme depuis qu'il est, le tribunal pas de travail. Depuis les chassés paquets en bas, le tribunal pas de travail, pas de séance. Ouais, pendant semaine, ça seulement, semaine passée, a commencé à faire une séance, autant de paquets en grève. Cependant, au moins clair, oui. Tout le monde connaît M. Velfa dans le pays comme l'avocat né des travailleurs. Quel est le travailleur public? Que le travail est privé, moi très clair dans la question ça. Le traitement qu'il y a bail, que ce soit monde qui est journaliste, que ce soit monde qui travaille dans le parquet, que ce soit monde qui travaille, qu'elle soit côté la travail, toujours tirer parce qu'il y a un bon traitement. Mais je dis, elle paraît suspect, il paraît immoral, il paraît injuste. C'est dans moment ça, je dis, pendant mon vent, pendant pas qu'il a fait tête et nada, c'est dans moment ça pour pas qu'il a déclenché une grève. Il paraît injuste, il paraît indécent, il vraiment indécent pour que ce jeudi à Paquet a fait ça. Son prétexte qui fait que ils m'ont pas venir là aujourd'hui. C'est pas seulement prétexte. Vous êtes en train de vivre, donc c'est indécence. C'est pas seulement prétexte, c'est une indécence, c'est une injustice grave. Son bagage qui l'aide ça qu'a fait là. Il très l'aide pour arrêter yon directeur de yon institution que de cette valeur. Tenez bien, oui. Et puis pour arrêter sous le fallacieux prétexte que l'ici, parce que l'ici, un acte pour le remettre en agent, qui c'est un bagage hautement privé, donc pas de contravention, pas de délit, pas de crime. Donc ce qui s'en va arrêter, ce qui s'en va arrêter. Et le pire de tout ça, je fais pression sur le commissaire Michel Christophe pour le retirer colle dans le dossier, hein? Pour le retirer colle dans le dossier, et le retirer colle doucement. Parce que je comprends, il n'y a pas de rentrer dans la combine que le paquet a été fait à l'école. Il retire l'école doucement. Et je dis, le paquet a libre, habite pour continuer le vagabondage qu'a fait là. Mais je le dis tout à l'heure, la défaite de la justice est toujours provisoire. Et, mon gars fait injustice, je m'a dit ça. Je dis, alors, quand tu es ton chef, demain matin, tu n'as pas rien. Et l'autre pas rien. D'accord, il faut une justice, parce que le pas faut une justice là. Mais comment, quand tu veux que. Ou goûter dans soit fait et bon vendre jodi là même le commissaire t'a dansé dans la cour il t'a remercié bon Dieu parce qu'il gagne victoire. C'est de l'indécence, c'était un exercice de l'indécence, c'était un exercice de bas étage, c'était un exercice. Comment le parquet de Port-au-Prince, la première juridiction de la République, capable de laguer colle dans des bagages si bas, si des bagages si niais? Comment le paquet de Port-au-Prince, le paquet de Port-au-Prince qui connaît des grands commissaires du gouvernement, qui connaît des hommes capables d'arroger les doigts pour le descendre si bas. Mais quand on est sorti avec Posé, résoudre mon cache ça, le commissaire Semaine ça a tout dit qu'il y a un phénomène. Moi, informé pays de manière générale de injustice grave, flagrante.